Substitut commissaire gouvernement dans paquet Port-au-Prince, maître Fritz Gérard Cerisier, mouri assassiné après-midi vendredi dans zone archive nationale Post-Marchand. C'est commissaire gouvernement à I Port-au-Prince, maître Jacques Lafota, qui confirmait nouvelle là. Pour Radio Kiskeya, président Association Nationale Magistrat Haïtien yo, qui dénonce assassinat ça qui fait sous substitut commissaire gouvernement. Zak assassinat ça qui fait dans Port-au-Prince journée vendredi an, substitut commissaire gouvernement dans paquet Port-au-Prince, maître Fritz Gérard Cerisier, mouri en baba l'assassin dans zone archive nationale Post-Marchand. C'est ça commissaire gouvernement à I Port-au-Prince là, maître Jacques Lafotan, confirmé pour Radio Kiskeya. Selon maître Lafotan, victime n'a été sorti dans paquet là. Commissaire gouvernement à I Port-au-Prince là déploré disparition Fritz Gérard Cerisier. C'est un gros coup pour le système judiciaire en général, pour paquet en particulier. Et mettre la faute et dit la police scientifique à travers des CPJ après toute indiction pour permettre de mener enquête en façon pour la justice capable de condamner tout le monde qui impliquait nan un crime ça n'a pas pour entendre mais Jacques Lafota talait comme ça dans journal là gagne président association nationale magistrat haïtien yo juge Jean-Wilner Morin qui condamné Zak assassinat et bandi fait sous substitut commissaire et gouvernement n'a parlé de Fritz Gérard Cerisier. Selon juge Morin, assassinat commissaire Cerisier a vinn ajouté sous liste magistrat qui déjà tombé en babal bandi. Président Anama voyait ses parti li by famille et victime na tout collègue li on a paquet a et mettre juge Jean-Wilner Morin li nan micro Wilner Joseph qui a parlé de disparition et substitut commissaire Fritz Gérard Cerisier. Tristesse assassinat lâche qui fait sous substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Fritz Gérald Cerisier. Assassinat et ça li touché magistrati haïtienne nan et spécialement paquetier yo. Ça c'est montré que pa gen moun ki en sécurité nan pays d'Haïti. C'est ça réseau national magistrat haïtien yo Renama li fait konnen. Pendant pénible circonstance ça Renama présenté condoléances li by tout commissaire, substitut commissaire, gouvernement, tout près tribunal, première instance, Port-au-Prince, magistrat qui dans toute République là, personnel paquet Port-au-Prince et il voyait et n'a parlé de réseau national magistrat haïtien yo, voyait c'est parti by famille qui a crié après disparition ça et secrétariat général Renama qui signe notre sympathie ça après Zak assassinat qui fait sous substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Fritz Gérald Cerisier. Mais avant nous t'es entré dans micro la police avec la justice t'a mené opération dans Paul Lafito yo saisi plusieurs armes environ 6000 cartouches saisies et puis plusieurs balles c'est 6000 piles armes M4 d'après commissaire gouvernement à I Port-au-Prince là qui confirmait nouvelle là pour Radio Kiskeya et chef paquet li dit et conteneur zam sa yo et ben li pon dame ki rele Katia Louis dame nan li sauvé yo pa kwè ki kote li fè mais yo saisi conteneur nan Paul Lafito ki te gen environ 6000 cartouches et puis plusieurs zam M4 d'après chef paquet à I Capital la maître Jacques Lafontaine ki te nan micro Wilner Joseph. Présentement qui s'est passé c'est que nous gagnons agent douanier ont relé nous depuis hier pour nous être capable aller garder nous découvrir au fait de l'ensemble de boîtes nous avons des cartouches munitions de calibre 5.56 et maintenant arrivé sur les lieux nous effectivement avec juge du casse des procédés emballage et sous boîte cartouches nous avons ordonné agent douanier pour continuer à fouiller la boue à vérification donc c'est à dire que nous allons rejoindre dans des stickers
et speaker yo venant dans yo qui met plusieurs armes de calibre M4 automatique et en pile cartouche. Dès qu'on fait la déjà nous, il y a une estimation de plus de 5000 cartouches, plus que ça. Donc yo encore à continuer sur la vérification à d'autres niveaux dans conteneur ça yo et que on remarque que c'est trafic ça yo. C'est trafic illicite d'armes de munitions que la loi réprimée et que c'est au même cap qui met bien une famille. Moi ça passe, mais il y a 36 amis au 20 de l'étranger Haïti et on va utiliser yo, il y a besoin yo commercialiser yo. Et c'est au même qui parle qui a fait monde couru tuer commissaire. Mais je dis là, tout balle assassine des vagabonds, mais commissaire roule. Il y a une institution commissaire qui peut utiliser l'eau dans la carrière. Vous parlez de cartouches, nous joignons plus de 5000. Vous parlez des armes, est-ce qu'il y a déjà une quantité d'armes déjà en bas là, nous avons gagné? Non, mais ces armes là, nous avons mesure pour me confirmer quand toutes les armes nous avons la saisie là, des cartouches. Même moi, évaluation nous avons fait approximativement, nous avons dépassé 5000 à 6000 cartouches là. Et nous continuons à continuer à fouiller là, et que demain matin, nous sommes capables de plus de précision sur les vérifications. Est-ce qu'il y a une arrestation qui fait? Non, je n'ai pas une arrestation qui fait parce que nous avons une dame qui est le Katia Louis. D'après ça, nous avons dit que nous avons sauvé les lois ou pas le garder pour nous, pour nous, cartouches qui sont sauvées là. Nous, en train d'avoir une délégation, je dis à même à des sujets, pour qu'on conduise une enquête préliminaire sur ça, arriver à craquer dans les arrières. Est-ce que c'est non conteneur ou bien comment ça vous fait? C'est non conteneur, oui, non conteneur, c'est non conteneur, mais avec déjà les ciblages initiaux qui permettent que monde qui vient prendre un receveur là est capable à la veille, c'est très facile. Mais heureusement, la vigilance des agents douaniers permet qu'ils découvrent que le bagage est trop lourd et expliquent qu'ils devraient nous armes avec cartouche à dame. Katia, vous avez parlé, c'est lui-même qui est propriétaire. Oui, c'est lui-même qui est capable de faire transiter des armes de l'Aïti. Voilà, nous avons écouté chef paquet capital là pour un petit bout de temps, Maître Jacques Lafontaine qui t'a parlé sous opération qui a mené dans Paul Lafito, côté au saisi environ 6000 cartouches avec plusieurs armes M4 et conteneur sous nom yon certain Katia Louis qui sauvé. Maître Jacques Lafontaine dit pas gain arrestation qui fait. Nous pas l'invite au côté Maître Jacques Lafontaine qui a parlé sous Zak assassinat ça qui fait après-midi et sous substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Fritz Gérard Seri. M. Jacques Lafontaine, tenant micro, Vilner Joseph. Et Patria, notamment au niveau de service responsable, et depuis avant même moi-même de accéder à cette Patria, notamment la question ordonnance, la question ABAS, ce sont des questions très techniques, très très humbles, hospitaliers, qui n'ont pas gagné, ni au niveau du parc, au niveau du système lui-même en général. Monsieur l'a sorti dans le parquet, et puis arrivé dans la zone ancienne machine nationale. Dans où qui monte la zone où c'est les pétitions, il commence à tirer sur lui, et puis machine matin, il fait atteindre pas mal, je me dis. Dans la machine actuellement là, la police scientifique alerté, il est presque venu sur les lieux. Moment des jus d'Otaya avec le commissaire Frédéric Evans qui sur les là, il n'a pas touché comme animation là pour que la police scientifique soit capable de faire des prélèvements. Qui les machines là, les sous-lui même. Contre les machines, c'est pas qu'à confier l'information ça. Mais ça, moi, sous photo, là, moi, c'est pour les machines. Mais l'information que j'ai rien, c'est Maître Taleb Jean-Baptiste partage avec nous tout à l'heure, qui est arrivé sous l'aile et tout. Il dit que depuis en bas, il commence à tirer sur lui, jusqu'à ce qu'il achève lui, dans le niveau barrière à Chine nationale. C'est une nouvelle qui est une fois, nous même au niveau parquet, et nous perdu dans le canon le monde qui est très important. Et encore une fois, le banditisme. Semer le deuil dans la famille judiciaire. Donc, nous, déplorer et nous condamner à toute force, nous, à ça, et que nous souhaitons déjà nous mettre tout en branle pour que nous soyons capables de retrouver auteur, co-auteur de l'hôtel. Voilà, on a écouté M. Jacques Lafontaine qui était dans le micro, Vilner Joseph, sous assassinat qui fait après-midi, sous M. Fritz Gérard Cerisier qui tombait en babal assassin dans Port-au-Prince. Président de l'Association nationale magistrat haïtien, jugé Wilner Morin, lui condamné Zach assassinat ça et lui rappelé l'ice magistrat qui déjà tombé en babal bandit, l'islam Vin Pilong. Président Anama, voué sympathie by famille victime défaillant, nous invitons écoutez dans le micro, Vilner Joseph. Fait assassiner, lui assassiner le jeudi à, dans le carrefour, poste marchand, monsieur prend, tiré monsieur, nous pas qu'on cadre, on combine une cartouche, mais on tire monsieur dans la machine, pendant monsieur qui était parqué à. Donc, c'est encore une perte pour la magistrature, un homme très sage, et le magistrat Cerisier. Donc, nous avons profité de présenter sympathie à toute la corporation. Et à toute la magistrature, à part
mais à tout parquetier qui frappé jeudi à par cette disparition brutale de notre collègue, le magistrat Cerisier. Est-ce que M. Cerisier est dans la machine pour contre lui, suivant l'information qu'on gagne? Suivant l'information, rien que c'est dans la machine de tir, mais nous pouvons connaître que si il y a des gens dans la machine, il n'y a pas de gens dans la machine. Ce que nous pouvons confirmer, nous sommes confirmés avec le commissaire du gouvernement, M. Lafontaine, c'est que le commissaire Cerisier vient juste de mourir et c'est vraiment une perte en plus que pas t'as jamais souhaité pour la magistrature et le problème de l'insécurité, il faut quand bien même que ce problème soit résolu parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Pour le côté juge Jean-Wilner Morin et l'autre côté président Anama, il a annoncé CSPJ après rencontrer association magistrat qui était lancé grève là, une façon pour arriver à harmoniser position yo selon juge Morin, décision ça après ministre justice là Maître Luc Mandelil t'a écrit CSPJ pour rencontrer le sous dossier grève là qui gagne dans tribunal yo. Maître Morin rappelé rencontre mercredi en pas de bail aucun résultat. À cause CSPJ, pas de présent. Juge Jean-Wilner Morin, toujours dans le micro, Wilner Joseph. Le motif de rencontre, là, c'est que le ministre de la Justice a souhaité que les garder ensemble avec le ministère des Finances, qui s'est capable de faire dans le budget CSPJ, pour être capable de répondre à certaines revendications des magistrats. Et nous-mêmes, magistrats, dans toute association confondue, nous avons exigé la présence du CSPJ dans toute négociation, parce que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes engager le budget du CSPJ. Nous n'avons aucune autorité pour nous faire un accord, parce que nous ne sommes que des syndicats de magistrats. Là, nous constatons que la présence du CSPJ n'est pas là. Nous avons demandé pour qu'il y ait une journée réunion et permettre que le CSPJ rejoigne la table de négociation. Maintenant, le ministre de la Justice écrit au CSPJ hier, demandé de rencontrer là à n'importe qui endroit, c'est-à-dire soit à la Cour de cassation ou au CSPJ, au local du CSPJ. Et le CSPJ, entre-temps, écrit aux associations de magistrats aujourd'hui, au Mandeo, pour venir à nos rencontres lundi à 10h du matin, lundi 22 juin, pour nous faire état de nos revendications. Et c'est ce qui pourrait le permettre, peut-être, qu'il y ait mieux gérer question avec l'exécutif et avec le ministère des Finances en particulier, qui même, il y a quelques bagages pour loin, de très près, dans la question aux revendications magistrales. Pourquoi une date pour rencontre avec le ministère de la Justice? C'est le CSPJ maintenant qui doit répondre au ministère de la Justice, car le ministère de la Justice vient d'écrire, mais il faut considérer aussi les questions de rang et les questions de protocole. Bon, ça n'a pas du ressort des associations. Cependant, nous avançons, nous avançons vraiment. Une première réunion est tentée faite mercredi 17 juin. Et voilà que nous allons rencontrer le CSPJ 22 juin. Nous passons presque dans des gels. Voilà, on a écouté juge Jean-Wilner Morin dans actualité politique là, conseiller politique président Jovenel Moïse Guichard Doré voyait jeter la trier critique qui a fait dans quatre débats sous constitution hein. Il fait qu'on ait toute démarche pour voir entreprendance et ligue à ouais avec constitution hein, c'est pour intérêt population hein. Guichard Doré quoi il est nécessaire pour venir avec un autre texte par rapport à différents problèmes qui gagnent dans application constitution hein. Pour lui-même malgré gen l'autre dossier qui mérite réponse dans moment difficile population a vivre journée jodi hein, c'est un bon moment pour porter amélioration dans constitution hein, puisque d'après ça le dit c'est dans période gros crise yo toujours aborder question constitutionnelle dans l'autre pays. Nous invite écouter Guichard Doré dans micro Fritzner Michel. Nous connaissons que depuis quelques années il y a une réflexion sur constitution et réflexion yo et gapil la dedans qui allait plus loin que l'autre, gain la dedans qui plus soutenu que d'autres, gain qui pensait que faut bien dire que t'as clarifié et document. Donc moi-même président lui-même cap dirige pays a lui ouais difficulté qui gain en tant que chef de l'État, lui veut ça de tous les jours. Qui problème qui gagne et on ancien président et qui était là déjà pour parler toujours d'où que la constitution, c'est source d'instabilité. Mais tout chef d'État qui vient cap diriger,
Elle a dirigé, elle a fait des pratiques de tous les jours avec la vie des institutions, avec les pratiques institutionnelles et avec le problème qu'il y a. Non, le problème qu'il y a depuis des décennies avec l'application du texte. Par exemple, au monde qui était le chef d'État ou bien qui était ministre qui ne connaît pas, ou le premier ministre qui ne connaît pas le problème. Donc, au moment de la durée, bah, ils ont fait des débats dans la société, ils ont agité. Maintenant, au moment de la durée, faudrait-il que la société, dans son ensemble, de façon coopérative, de façon compréhensive, consensuelle et participative, dit bon, bon, bah, comme ça, c'est pour pays, c'est pas pour Jovenel Moïse, c'est pas pour Guichard Doré, et c'est pour, pas pour Joseph, etc., mais c'est pour la nation. Donc, pour nous, comment que, ensemble, ensemble, avec la participation d'un large secteur, pour, ouais, diagnostic qui était fait, yo, parce qu'il y a des documents qui étaient faits déjà, il y a au moins même 4 ou 5 de dimensions importantes qui faites déjà, et beaucoup là-dedans, yo, c'est avec l'argent des contribuables qui ont fait. Comment que nous cabons ensemble, pour moins, comment nous cabons améliorer le texte là. C'est vrai que nous connaissons un peu le monde qui dit, il y a une procédure d'amendement. Ok, mais procédure d'amendement, c'est comment pour le faire. Mais tout, aucun texte ne peut empêcher à la nation d'avoir un autre texte. C'est pas normal. Constitution ne peut pas modifier par référendum, mais il n'est pas interdit tout pour un nouvel texte, un nouveau texte constitutionnel. Donc c'est dans ce sens que débat ou a fait, moi-même pense qu'il est un moment qu'il faut clarifier les pouvoirs de l'État, rééquilibrer et rationaliser les pouvoirs de l'État, responsabiliser les acteurs institutionnels, en sorte que pour le travail, pour une bonne occasion pour redonner au pays la possibilité de se redéfinir à travers un texte constitutionnel qui le permette d'entrer définitivement dans le 21e siècle. Alors, pour ma part, je pense que l'entreprise à mettre en place est une révolution institutionnelle. Et pour nous, un régime politique qui permet au pays à aller bien, opposition fait opposition, mais non pas toujours une opposition extra-institutionnelle. Alors, Doré, l'opposition a... Oui. Qui ça qui explique que c'est dans le moment ça, au côté de l'ensemble de l'autre dossier qui paraît très crucial et au niveau de société A par rapport avec les questions et notamment de crise sanitaire que le pays a géré là qui est très difficile. Il y a une question de dollar qui a monté, nous déjà 120 gouttes pour un dollar. Donc, ensemble de problèmes comme ça qui besoin des réponses urgentes. Et pour qui ça, c'est Kounia, président Li, décider focus sur question et constitution Kounia là. Ça qui explique bon, ça. Écoutez, c'est en période de crise il faut toujours aborder les questions constitutionnelles. En dehors de la crise, on fait le développement économique, on fait le développement social. C'est dans la période de crise, regardez l'histoire de tous les pays. Quand on aborde une question constitutionnelle, c'est parce qu'il y a une crise. Donc c'est en période de crise, on réfléchit sur les questions constitutionnelles. Parce que généralement, crise, mis à part ça, son crise sanitaire, probablement, nous d'avoir volé, bientôt après avoir, je souhaite que le ministère travaille pour nous gérer. Mais toute notre crise, on parle, que ce soit devant notre crise, nous avons tous les mais crise, il y a une origine. Il y a une origine parce que là, champ partage structurel pays, dans la constitution de Maltais, les générateurs de crise sur l'ensemble de la vie sociale. Oui, mais est-ce que par rapport avec Kounia, là, il y a une population lui-même, captant de réponses rapides. Monsieur Doré, est-ce que Kounia, là, la priorité serait se focaliser sur la constitution, ensemble de Sakta de Fetio, par rapport avec Mounio, même qui a vivre, je ne veux dire, là, en situation qui est extrêmement et catastrophique. Ok, d'accord. Quand vous dirigez un pays, vous travaillez sur l'ensemble des problèmes. Chaque problème, il y a un monde qui vous gagne. Même connaît ça à tout. Imaginez que vous avez un nouveau pays dans le pays. Par contre, sur de là. Vous pensez que, on capte maintenant, pour nous dire un parlement qui a fonctionné bien, on a tiré sur l'autre, pas qu'à voter loi, pas qu'à etc. Vous faites disait, tant on va qu'à mettre gouvernement, vous pensez que ça n'a pas d'impact sur la vie économique. Son crise de l'autre parler là. C'est pays l'autre, oui. C'est budget pas voté, c'est etc. C'est des programmes, le gouvernement voué dans le parlement, il n'a pas voté, etc. Vous pensez que, ça y est, c'est conséquence de vivre là. Mais il y a une origine institutionnelle ou bien constitutionnelle, car nous avons agencé pour voir. L'on va être un budget, l'on va être un gouvernement, ou faire plaisir pour le gouvernement.
Pour qui ça? C'est parce que la constitution, j'ai aménagé pour voir où il y a des problèmes. Ok, par ailleurs, nous connaissons différents décrets que le président de la République a limité dehors et qui a fait un pile débat, non, et je ne j'ai dit, non, au niveau de société A, donc et gagné pouvoir qui fait comprendre que tu as gagné erreur matériel dans texte là, donc est-ce que ça quoi le fait exactement dans ce sens là, donc est-ce que donc à parler de retrait et rapidement de texte là. Bon, écoutez, grande précision pour vous dire à travers un texte d'application, ce qu'on appelle un arrêté, et probablement là il y a fait une sortie game dans texte là, pour ça c'est peut-être que mon yo mal comprendre ni. Mais texte en soi, pas gain des imprécisions là-dedans vraiment. Récemment, qui est imprécis, toujours qu'on arrêté au point, on dit, mais je précise arrêté. Ok? Donc, moi, quoi que me défends intervention ce matin, c'est ma sens, ça m'a continué à l'heure. Donc, son quatre là, il part, et ça, mon yabdia, c'est pas vrai du tout. Texte en fait des bonnes fois, il pas fait pour nuire les citoyens, il fait pour améliorer, pour permettre un bon document, puis aussi qu'il est sous territoire. Guichard Doré qui était dans le micro, Fritzner Michel, sénateur l'Ouest, Jean-Renel Senatus, dénoncé décret président Jovenel Moïse publié dans le journal officiel Le Moniteur, dans l'article 5.1 qui autorisait garçon tourner femme ou femme tourner garçon. Selon Jean-Renel Senatus, décret ça, c'est une atteinte à bonne messe. Nous interviewons par Radio Kiskeya. Mais Senatus estime, dans le décret ça, Jovenel Moïse montrait population un vrai visage li. D'après parlementaire, monsieur Moïse, à travers décret a satisfait, c'est Massimadia qui toujours a exigé reconnaissance dans le pays d'Haïti. Puis loin, ancien président commission justice, sécurité et défense nationale, Sénat républicain, dénoncé tout article 25 décret qui fait population et pour tout le monde qui peut avoir 4 démalogues là, et bien, exigeant ça depuis au 4 là, il a tombé en bas sanction.